L'appel de Daoukro. Les femmes qui traînent sur Facebook ici, qui se jouent, les femmes exemplaires qui ne se connaissent pas, qui ne se font pas respecter là. Vous ternissez l'image de vos maris comme ça. En venant vous mettre sur Facebook et puis narguer les autres filles, les traiter de gens légères, les traiter de filles matures, les traiter de filles sans ambition, les traiter de poclées, les traiter de vieilles filles qui ne sont pas mariées là. Hmm? Les femmes là, les nouvelles mariées là. Mais celles qui ont découvert l'embouchure. Des concubinages, mais qui ont découvert l'embûchure, des tas de ferrailles sur le doigt là. J'ai un vieux père, il est quitté au Canada. Il est venu à Abidjan ici pour ses vacances. Il était mon oncle. Mon oncle du port. C'est comme ça on dit. Mon vieux père qui écoutait très bien l'appel de Daoukro. Mon oncle, mon ami là, mon vieux père là, il est quitté. Au Canada, il est venu à Abidjan pour ses vacances. Donc quand il vient ici là, il y a des coins qu'il ne maîtrise pas, donc souvent je l'accompagne et tout. Donc ce jour-là, il voulait faire des courses. Donc je lui ai dit, ah, il n'a qu'il parte avec mon oncle. Donc mon oncle est parti faire les courses avec mon ami qui est quitté au Canada. Et arrivé dans une boutique, ils ont croisé une dame, une jeune dame, voilà, qui vit en concubinage, qui vit dans un foyer, qui vit avec un homme, avec enfant, tout ça, hein? Ils ont enfant. Cette jeune dame-là, que je connais très bien, mon ami du Canada l'a draguée. Au fait, il sait. Il allait vers elle et puis l'a draguée. Et puis, elle est tombée dans le filet, elle a donné son numéro. Faut bien préciser que... Pendant ce temps, ton ami est enceinte. La jeune dame est enceinte. Non, elle est enceinte. Elle est enceinte. Tu as t'as publié les détails vite. Hein. Ah bon, hein? T'as vu? Mon managem était là, mais quand. Donc, non, c'était le début de grossesse alors. C'était presque arrivé même. Ses ventes étaient un peu sorties. Bon, début de grossesse. Bon, on voyait pas bien. On voyait pas bien. Mon managem m'a me clarifié. Je veux voir moi-même. Cher. Comment je pense plus à mes problèmes que aux problèmes des autres. Donc, cette dernière. Il paraît qu'elle était en début de grossesse déjà. Elle était dans le foyer, elle était en début de grossesse. Et puis ce homme a pris son numéro, ils ont fait changer de numéro et ils ont commencé à s'appeler au téléphone. Téléphone, chauffe mon cœur. Voilà. Ils ont commencé à s'appeler et tout. Et la go a oublié qu'elle est dans un foyer. Elle a oublié qu'elle vit un enfant des gens. Qu'ils ont enfant, qu'elle enceinte, tout ça là. Donc le gars lui a dit, ah lui vraiment il a kiffé, il est meilleur qu'il se voit à huis clos, tout ça là. Par rapport, vous connaissez non, quand les benguises arrivent, et qu'il gagne Gola, il veut tuer ça en même temps. Donc le mort veut tuer Gola. Donc Gola lui dit non, par rapport à son image et tout. Gola ne peut pas aller dormir avec lui, ici à Abidjan. Donc elle essaie de voir. Donc essayer d'improviser quelque chose. Là, voir comment de sortir des griffes de son mari pour aller se larguer. Je vous parle. Ils ont créé un truc à Daoukro. Ils ont créé un mouvement à Daoukro. Mon ami là voulait que je vienne aussi à Daoukro pour voir de mes propres yeux. Mais malheureusement, ce jour-là, moi, j'étais chose à Boisseau. J'étais allé me poser une boîte de nuit à Boisson et au bleu, le nom là-même. J'étais là. Donc, Lago et son staff se sont rendus à Daoukro. Et mon ami du Canada a chicoté ça. Une femme qui vit en concubinage, en plein concubinage, qui a un début de grossesse. Franchement, ça, là, souvent, je n'ai pas supporté. Et elles sont nombreuses comme ça. Vous comprenez? Mon ami du Canada, là, elle me suit. Les gars, vous me suivez. Là, vous n'avez pas l'air. Je n'ai pas dit vos noms, mais vous savez. Dites à vos maris ce que vous faites. C'est important. Parce que quand tu décides de t'unir à quelqu'un, là, il y a des choses que tu n'iras plus dedans. Les hommes sont ce qu'ils sont. Hein. Un homme peut sortir, il peut avoir des copines, des maîtresses. Ça, ce sont les hommes. Quand ils font ça, ils se sentent. Mais une femme. Ne doit plus faire ça du moment qu'elle a accepté de vivre sous le même toit que celui qu'elle dit qu'elle aime.
Celui qui a prêté à aimer, quand tu aimes quelqu'un, tu ne le déçois pas, tu ne le trahis pas, tu ne le trompes pas. Mais la fille en question là, ils ont tué ça à Daoukro. Moi, je n'étais pas dans la chambre avec eux. Hein. C'est mon ami là qui m'a dit. Et puis, ils ne m'ont pas. Ah, ils vont mentir pourquoi? Les garçons, on vous connaît. Moi-même, souvent, même là, les gens téléguident des gens sur moi. Si elle ne sait pas, elle tombe dedans. Si elle sait aussi, comme je ne suis pas mariée aussi, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je m'en gaba, je m'en fous. Mais si je suis, je vis sur le même toit que mon homme. Je vis chez lui, hein, pas chez moi. Si je vis chez lui, mon homme que moi je veux épouser là, je vis avec lui sur le même toit. J'ai fait son enfant, je porte sa grossesse. Pourquoi me donner mon numéro à quelqu'un? Pourquoi j'ai laissé un autre homme poser la main sur moi? Pourquoi laisser un autre homme coucher avec toi pendant que tu es enceinte? Pourquoi? Donc arrêtez ça. Tu veux rejoindre le club des chouins? Tu veux revenir dans le club des chouins? Comme nous sommes des chouins à vos yeux. Pareil pour vous, quand on n'est pas marié, c'est qu'on est des chouins. Angeline Olivier dit, c'est qu'elle go. Ah! Elle est dangereuse, go Abidjan ici, hein. Elle est dangereuse, go Abidjan ici, hein. Quand toi-même, tu vois la go, tu dis, voilà, la petite soeur directe de mon mari. La Vierge Marie, voilà sa petite soeur directe. Oh, le démon, le diable en question. Elles sont nombreuses comme ça. J'ai ça ici, là. C'est tout ça, là, je vois, et puis elle dit, moi, mariage, attends un peu. Concubinage, attends un peu. On peut faire go et gars, hein. On peut faire go et gars. Mais rien de sérieux, quoi. Il n'y a pas même mon cœur sur toi. Les gars, ils prennent, ils me déparasitent avec. Ils ne prennent ça pour me déparasiter. Je prends un, il me déparasite. Quand il est fatigué, il dépose. C'est moi, il dépose. Et puis, il prend un autre, il me déparasite avec. Voilà. Maintenant, quand j'ai voulu me marier, j'ai voulu me caser là. Tout ça là, il met de côté. Puis je me concentre dans mon foyer, je me concentre sur mon mari, mes enfants, ma famille. Pour être un exemple, ils vont dire que oui, celle-là, ah, avant, c'est des parasités d'elle. Mais celle-là, elle était chouin avant d'elle. Mais celle-là, elle lançait un foulard. Mais celle-là, peut-être qu'elle est pour danser. Celle-là, si c'est pas remis, cul, remis, sein là. Elle sait rien faire. Celle-là, elle sait pas tourner rien là. Elle sait rien faire. Mais au moins, il a décidé de mettre tout ça, il a mis tout ça dans un sachet, attaché comme ça, et puis brûlé. Puis je me concentre sur mon mari, sur mes enfants. Vous comprenez? Katia Maria me dit merci là-bas. Ah, merci pourquoi? Moi, je ne tenais pas la vérité, tu dis merci. Pourquoi pas me dire merci de... Parce qu'on est fatigué des histoires de marie-toi, marie-toi. On ne se marie pas par hasard. On ne se marie pas parce que ta voisine s'est mariée. Il faut être prêt. Mais il faut être prête. Moi, je ne suis pas encore prête. Voilà. Parce que je ne suis, suis pas une menteuse. Je ne suis pas une hypocrite. Je n'ai pas encore fini mes pien-pien. Je n'ai pas encore fini de me déparasiter. Hein? Et puis aller me mettre dans le foyer, fatiguer enfant des gens. Tu avais enfant des gens, tu le laisses quand le tromper. Hein? Le gars te prend au sérieux. Il te présente ses parents. Hein? Il a projet de marier avec toi. Tu vis avec lui, il s'occupe de toi. Bah, le réseau est venu. Et puis tu vas le tromper. Parce que moi, ma mère, là, elle n'a pas fait ça. Quand ma mère s'est mariée à mon papa, là, elle n'a jamais trompé. Elle a vu tous les autres garçons en femme. C'est comme ça, moi, je vais faire aussi. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Mais j'ai vécu un peu avec elle. Ma grand-mère, là, qui a boiflé, là, quand son mari, elle a laissé, mari, ils ont fait des enfants, elle n'a pas une autre femme. Vous faites des enfants, beaucoup d'enfants là-bas, là. Il l'a laissé, l'a jeté là. Elle n'a pas regardé un autre garçon, elle n'a pas regardé à gauche, à droite. Elle est restée comme ça, toute seule. Avec nous, ses petits-enfants, avec ses enfants, elle. Elle s'occupait d'elle un peu comme ça. Elle est restée toute seule. Ça là, ça n'a pas gratté. Parce que ça, c'est ce qu'elle voulait, les rester là, comme ça. Jusqu'à un, Dieu a fait. Le monsieur a laissé l'autre femme là-bas. Quittait même. Elle a beaucoup d'enfants là. Venir la prendre à 100 ans. La maman, il dit non, c'est pas croyable. Il était bien ici qu'ils ont fait le mariage. Il dit c'est pas croyable. C'est impépable. Et ma grand-mère s'est mariée. Légalement, s'il vous plaît. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Si aujourd'hui Dieu vous a béni, il vous a permis de réaliser une partie de vos rêves, ou bien vous a permis de réaliser votre rêve, dites-lui merci.
Ne narguez pas les autres, n'insultez pas les autres. Ne blâmez pas les autres. Vous ne savez pas pourquoi les autres sont dans cette position. Vous ne savez pas pourquoi les autres ne sont pas encore mariés. Vous ne savez pas pourquoi les autres ont plusieurs gares. Vous ne savez pas pourquoi les autres prennent dans les maquis et boivent tous les jours. Vous ne savez pas pourquoi les autres lancent des mouchoirs. Excusez-moi, lancent des mouchoirs au vallon ou aux deux plateaux, je ne sais pas, le coin où on lance le mouchoir là. Vous ne savez pas pourquoi de pourquoi. Donc si tu ne vas pas chercher à savoir le pourquoi de pourquoi, s'il te plaît, quand tu viens sur les réseaux sociaux là, il faut parler des choses sensées. Il faut parler des choses qui peuvent apporter un plus à la société. Il faut parler des choses qui peuvent apporter un plus aux femmes de ta, comment je vais dire même, de ton siècle, là, de nouvelles mariées ou bien de nouvelles femmes concubinées ou bien en concubinage ou bien de nouvelles femmes au foyer. Là. Voilà. Si vous voulez vous adresser à nous les célibataires là, ce n'est pas ce thème de mariez-vous, vous devez nous chanter tous les jours. Parce que ne nous stressez pas avec ça. Et puis on va se mettre, on va se jeter dans des fossés. Ne nous stressez pas à ça, ne nous paniquez pas à ça. Ne nous faites pas chier avec ça. Les hommes là, ils sont nombreux, ils sont voir. On dit même là, tu as ton argent là, tu prends un homme, tu le maries. Les jeunes là, millions, frères, quand ils traînent, ils sont là. Tu prends un, tu les kiffes, toi-même tu finances le mariage. Qui va savoir que c'est toi qui as fait le mariage? Maison même, peut-être vous venez d'un père, c'est toi même qui loue la maison. Vous êtes dedans. Vous êtes mariés, portez vos bagues. Si tu as ton nom, tu mets diamant. Tu n'as pas ton nom, si tu portes or, mais c'est pas quoi, c'est que tu veux. Vous comprenez? Carmel Bomener dit, Master, moi je te crois, on les connaît, elles sont pleines. Oui, elles sont nombreuses, hein? Je le connais, je connais beaucoup. C'est elle qui donne conseil matin, midi, soir. Pourtant, elle est dans le deuxième bureau. Je te parle de quelque chose. On les a pu matin, midi, soir. Ici, il faut faire chier les gens. Moi, on m'a pu. Oui. On m'a pu bien même. Pas ici, célibataire. Très célibataire. Donc, je me laisse appuyer par qui je veux. Pas par qui veut. Qui je veux. Si un homme me plaît, qui je veux qu'il m'appuie, il va m'appuyer. Arrêtez de signaler mon direct, on parle la vérité au signaler direct des gens, poclés comme ça. Et vous les voyez poclés? Nous, on n'est pas poclés, hein? Nous, on n'est pas encore mariés, donc on n'est pas poclés. C'est quoi on fait là? Ça n'engage que nous. C'est quoi on fait là? Ça n'engage que nous. Voilà, c'est vous les vrais poclés. Vous qui êtes dans le foyer des gens, enfants des gens, vous partez vous asseoir là-bas et puis vous faites poclés après, là, dans le dos du monsieur là. C'est vous les poclés. Nous ne sommes pas des poclés parce que nous, on n'a aucun compte à rendre à quelqu'un. Voilà, nous ne sommes pas mariés. Sommes très célibataires. Moi, un garçon, il est croqué, il voit que me plaît, il croque. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est pourquoi il vit chez moi. Voilà. Quand les factures viennent, là, ça vient à mon nom, je paye. Ce n'est pas un garçon qui s'en fait rendre pour payer pour moi, c'est moi, mais il paye. Voilà. Donc, si je suis dans le foyer demain, ce n'est pas à cause des factures, mais je me mets dans le foyer. Parce que moi, je vais me mettre dans le foyer. Sinon, si je me marie demain, là, j'ai appelé le garçon, il dit viens, moi, j'ai financé le mariage. Là. Dans une semaine, mais dans un mois, on se marie. On fait ça juste pour faire le matin, pour montrer aux gens. Arrêtez de fatiguer les gens, mariage. Que quoi? On sait ici qu'il faut te marier, tu viens, tu te maries pas. C'est ton problème. Bon, je ne me marie pas, c'est ton problème. Je mange chez toi. Tu m'as déjà donné à manger. Les femmes mariées là, comportez-vous comme les vraies femmes mariées là. Parce que vous êtes les femmes mariées, dès que vous là, vous êtes forcées. Le plus souvent, même quand tu les vois, même en table, elles ont plus le mari de leurs camarades. Le plus souvent là, les femmes qui font ça là. C'est-à-dire que quand on les a mariés, on les a mis dans le foyer, et puis elle parle, pied, tous les jours, c'est elle qui parle, mariée. Le plus souvent, c'est mari de la camarade, ils ont pris. Le plus souvent. Oui, mais c'est la vérité, c'est quelque chose que tu as volé là. C'est ça qui fait bruit dessus. C'est comme les voleurs là. De toute façon, ils font bruit sur l'argent. Ils font le yaya, ils font les trucs, parce qu'ils ont volé, ils n'ont pas souffert pour avoir. Voilà. Mais l'argent, tu as souffert, c'est-à-dire que tu as travaillé quand. L'argent, tu as eu à la sueur ton front là. Ton téléphone là, je peux pas. L'argent tu as eu à la sueur de ton fond là, tu penses que tu as venu dilapider ça comme ça? Tu as pas dilapidé ça, enfin, tu as souffert pour avoir cet argent là. Mais quand tu n'as pas souffert pour avoir quelque chose là, tu fais bruit derrière, tu fais bruit de crabe là, c'est ça. Voilà. Sinon, nous sommes toutes des femmes, certaines sont des mères. Moi, j'en fais partie, hein. Je suis une maman. Voilà d'un joli garçon que vous connaissez. Voilà qui est une star désormais. Et qui va faire fort. C'est-à-dire que
où je ne vais pas arriver, lui va arriver là-bas. On a dit, viens. Il est en pyjama. Quand il est en pyjama, je ne vais pas le mettre en direct. Non, c'est juste, non, il est en pyjama, il est en transfert. Qui est-ce que tu as transféré comme ça? Je vais sauce. Mais t'as dit que tu finis de te laver, arrête de jouer le chien. Faut que tu rentres, ça va y dormir. Vas-y, demain tu vas parler eux. Toi, tu dois faire ton direct, hein. On attend que le son sorte d'abord avant de faire le direct. Donc, vous comprenez, mon enfant, il est mignon. Les enfants, ventre plat, bien bâti, là. Ce n'est pas les enfants, on doit déparasiter, là. Moi, mon enfant, là, bien. Son père, beau gosse. Puis, c'est un babaché. Frère, c'est pas homme marié. C'est un babaché. Voilà. Il n'y a pas fait enfant, homme marié. Donc, si vous ne savez pas, renseignez-vous. Renseignez-vous. Ok? Voilà. Donc, mes chères sœurs du célibat, mes chères sœurs, nous qu'on traite des tchouins, mes chères sœurs, nous qu'on traite des femmes légères, mes chères sœurs, nous qu'on traite des femmes immatures, nous qu'on traite des femmes bêtes, nous qu'on traite des femmes sans ambition, nous qu'on traite des femmes je ne sais quoi. Dites-leur. Elles n'ont qu'à bien attraper leur mari là. Elles ont eu mari, non? Elles sont dans le foyer, non? Elles n'ont qu'à se concentrer sur eux. Elles n'ont qu'à bien s'occuper d'eux, hein? Parce qu'ils sont sortis de la maison. Qu'ils les ont échappés, qu'on les a attrapés, les a récupérés. Si on les a récupérés, les nouvelles maris, attrapez bien vos maris, hein? Attrapez bien vos maris. Vous faites bouche pia là. Faut pas vos maris vont venir au tchouin ici. Hein. Faut pas vos maris vont venir chez les célibataires. Faut pas vos maris vont venir chez les soi-disant poclés. Parce qu'ils aiment bien ce style de femmes là. Les femmes qui se jouent les tchouins, les poclés, les. Comment on appelle ça encore là? Les femmes célibataires, les femmes libres. Vos hommes là, ils adorent ça. Vos hommes là, ils adorent ça. Vous comprenez? Donc faites très attention. Quand vous venez faire vos trucs là, vous venez parler sur Facebook là. Suivez votre langage. Suivez votre langage. Vous me l'avez dit que nous sommes bêtes, non? Vous avez dit que nous sommes immatures. Donc faites très attention. 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 Faites très attention. Si vos maris vous ont échappé. Si moi-même j'ai récupéré deux ici. C'est avant que je jouais les filles. Maintenant là. On vous montrer Nyamien. Parce que moi, j'ai trop joué avec les sentiments. Je me suis trop joué les filles. Et elles sont contentes comme ça. Et vous là, ça c'est le direct. Hein? C'est le direct même là. Le direct des directs. Au fait, j'étais là comme ça. Le matin, il peut m'appeler de Daoukro. J'ai reçu l'appel de Daoukro là. On dit, mais c'est comment vital? Mais il faut cracher ou bien? Il dit, tiens, ça libère pas beaucoup de ma bouche. On dit, il faut cracher. Il dit, tiens, science ou bien? On dit, non! Mais on dit faut te marier, on t'insulte, on dit faut te marier, comme si c'est une obligation de façon là. Il faut cracher. Et attends, moi c'est intéressant, on dit ne va pas appeler vous, je sais. Si quelqu'un veut participer. On vient au pied. Allô. Allô, bonsoir ma patronne. Bonsoir. C'est Carole. Carole, c'est quoi ma soeur? Moi, mais j'ai oublié, mais que je vais m'appeler. J'ai oublié. J'avais oublié. Non, il dit, c'est que vous dites, c'est tellement. Je suis tellement contente parce qu'on est fatigué. Oh, mais c'est la vérité, hein? C'est la vérité. On est fatigué. Mariez-vous. Mariez-vous. C'est forcé. Mariez-vous. C'est quoi? La vraie richesse d'une femme, la bénédiction première d'une femme, là. On dit, nos parents nous ont dit, ton premier mari, c'est ton travail. Ton travail. C'est ton travail. C'est qui te rend heureuse, là. C'est ce qui te rend heureuse. Ça ne te donne pas au gourmet. Mariage. Tu le prends bien là, tu es récompensé, tu as tout ce que tu veux. Je t'apprécie bien. J'aime aussi, il y a Emma Louis qui disait la dernière fois, le mariage n'est pas sa priorité. Si c'est venu, elle prend. Mais aujourd'hui là. Mais elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Parce qu'aujourd'hui là, c'est promo. Regarde-vous comme ça. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme? Franchement. Si c'est manger, si c'est habillement. Franchement. Vous pouvez le faire. Donc la première richesse d'une femme, c'est son travail. On est pas des mariés. Moi j'ai appelé la dernière fois, je vous ai dit que comment je vais au travail. Quand je vais au travail, j'ai toujours des préservatifs dans mon sac. Oui, oui, tu as dit ça, oui, oui. C'est très important d'ailleurs. Hein. Moi-même, j'en ai mis dans mon tiroir.